Ici, de go. Je coupe la musique parce que ce sera pas compatible. Ah ouais, non mais je revois le mec hein, au point relais là. Et dès qu'il me voit avec mon sac que je déploie devant lui, il me dit non mais ça sera pas assez grand. Et là je lui ai fait des gros yeux, pardon. Et là je le vois revenir avec le machin. Vous avez un meuble à monter, monsieur le sage. Ah non non mais là le jour-là tu m'as. Enfin gros bisous, hein, merci. Merci tout plein, ton rotat adorable. C'est fou, c'est fou. Alors, oh là là, la suite de Portal 2, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver avec l'autre tordu qui est rattaché à la matrice, là, le robot bleu, là. Je vais devenir... bref. GLaDOS, ouais. Ouais, le rebelle, là. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, allez, je me mets en condition de jeu. Mon périphérique de jeu, sous la main. Mon excellent clavier de main, notre promo. Quand vous êtes joueur, je vous invite à investir là-dedans, c'est un bonheur. C'est une question pour Kinsen parce que je n'ai pas la réponse. Oui. D'ailleurs, c'est qui fait la voix du rebelle? Parce que je suis sûr que j'ai déjà entendu sa voix, mais j'arrive pas à situer qui c'est. Alors, si tu as la réponse, merci de la donner dans le chat si ça te dérange pas. Et là, on retrouve les écrans morts, les écrans Ne de la faites pas mort du attention. Windows XP. C'est Je ça. rapproche juste la salle de test de moi, 90. histoire de profiter au mieux des résolutions. Sûrement pas. Vous dites? Oh, pardon, je croyais vous avoir entendu. Oh le bordel. Sa voix dans l'univers c'est violent. Brain. Vous savez qui est en surnombre par ici? Des moniteurs. Bon, allez, je me disais que c'était dommage d'en avoir tant en service, donc je vous m'en rendais service en les pas détruisant. Pour talent. Je puise de la mauvaise foi pour embêter tout une scène. C'est un très bon jeu avec de très bons doubleurs. Même si c'est vrai que ce n'est pas l'esprit FPS qui tu utilises des armes et tu tires sur tout ce qui bouge. Au contraire, c'est rafraîchissant, c'est un FPS avec des énigmes, que ce soit le premier ou le deux. On n'en voit pas beaucoup, ça change du genre où il faut toujours te tirer sur tout ce qui bouge. Mais bon, de toute façon, ça faisait un petit moment et même depuis toujours que le FPS a essayé d'évoluer. Quand tu prends un jeu comme Deus Ex, tu dois pas tirer sur tout ce qui bouge. Embêté. En plus, il y a un très bon casting du coup, pour le jeu de la DF, Gladys et GLaDOS, elle est très drôle. C'est vrai que c'est très dur de lui trouver hein, des défauts, que ce soit le 1, le 2, qui sont en plus dans l'univers de Altai, j'essaye de bien le dire. Donc, les jeux sont encore beaux, le 2 on voit, hein, il est encore beau. Il a été très bien optimisé puisque même Vincent peut le faire tourner de façon fluide. Il n'y a pas vraiment de vrai défaut dans cela. À part qu'il faut aimer se casser la tête. C'est ça. Se casser la tête. Sauter, non, je peux pas, c'est pas logique. Par contre, j'ai pas regardé s'il y avait au bout de la passerelle. Non, bah, c'est la sortie, c'est la sortie. Je pense qu'il faille se débarrasser des tourelles avant. Il faut se débarrasser des tourelles avant. Ça passe plus bas, le truc passe plus bas, je crois. Alors là, je pourrais pas t'aider, sauf pour avoir des astuces.
Faut me laisser cogiter, laissez-moi cogiter s'il vous plaît. Laissez-moi cogiter, ça fait partie intégralement du jeu. Ah, tu veux que je te laisse Kojima? Toi, tu vois ça avec MGS? Je pense pas qu'on trouve la vache. Ah merde, y'a des grilles! Je pensais leur rentrer dans l'arbre, mais je peux pas en fait. Je pourrais aucune réponse. Juste des suggestions, si j'en ai. Vu que t'es plus niche que moi, ça m'étonnerait. C'est largement faisable dans la... Je suppose que Vincent t'a voulu dire sans astuce. Ah, c'est la voix de Ratatouille, d'accord. Largement faisable sans astuce. Non mais je vais me remettre dans le bas, hein. Je suis un modèle diesel, excusez-moi. Je suis un modèle diesel, ça va revenir. Les bons réflexes, les bonnes jugeotes. Vous me connaissez maintenant? Tiens, j'avais dit que je buvais un coup, je vais le faire. Et d'ailleurs, les... Ne faites pas attention. Je rapproche juste la salle de test de moi, histoire de profiter au mieux des résolutions. Pardon, tu parles en même temps que la voix, je ne comprends rien. A plus, bisous à Scarcapac. A plus, bon week-end. Enfin, bon fin de week-end, pardon. Attends, le jeu fait un tel vacarme que je t'entends même plus, Fanfan. Excuse-moi, attends 30 secondes. Voilà, tu disais. Les Patounes et compagnie, c'est de retour ou c'est la semaine prochaine? Alors, je préférerais la semaine prochaine parce que j'ai en partie les chapeaux. J'ai. Du coup, bah, ma grosse grasse mat m'arrange parce que. Bisous, à plus, ta chefman. A tout à l'heure chez toi sur qui est ton Zelda. Merci, à plus, merci Nash. C'est en désordre. J'ai les PlayStation qui sont toujours pas rebranchés. Enfin bref, c'est la caca. Mais oui, il faut que je fasse en sorte que même que les patounes reviennent pour mercredi, jour férié, ce serait bien. Ça peut se faire. Parce que là, j'en ai une à vue, mais je sais pas où est la deuxième. Donc j'ai fait un boxon d'enfer. Et vu mon caillon là qui me fait face, j'ai pas envie d'y retourner maintenant. Voilà, c'est ça, les patounes. Mais ouais, les chapeaux et les patounes, ça va revenir, promis. Comme on revient dans la mauvaise saison. Je vais sûrement tout regrouper d'ailleurs. Les Lego et le carton des chapeaux patounes dans un coin. Je ferai en sorte que j'ai toujours la main dessus. Que ce soit pas le boxon comme cet été. Bon, mon cerveau. Concentration. Concentration. D'ailleurs, les Lego en patoune, sacré truc. D'ailleurs, l'année prochaine, ça marquera quand même une date symbolique. Pourquoi? Parce que ça marquera les 20 ans du deuxième Half-Life déjà. L'année prochaine. Oh vache. Il datait de 2004. Et depuis, il n'a pas eu de vrai successeur. Alors oui, épisode 1 et 2, oui, c'est les successeurs, je vois tout venir, je ne sais pas qui, mais... Mais moi, je parle d'un 3, une succession, une vraie truc. Mais ouais, le 2, bah, c'est pas fêté. D'ailleurs, comme le premier, cette année, a fêté ses 25 ans. Hein, comme... Mais le problème, c'est que je peux pas remonter, moi, après. C'est ça, mon souci. Je crois que l'épisode 2, il me semble, date de 2007. Mais non, mais c'est pas possible, parce qu'il faut que je les mette. Non, je peux pas choper. En fait, il faut que j'atteigne cette passerelle plus rapidement que prévu. La question est comment? Ça me catapulte sur l'écran. Il faut que ça s'arrête avant. Ça. Ah, voilà. Cette fois-ci, vous m'avez raté. Ah, vous étiez en train de... Non, continuez, j'ai rien dit. Alors oui, il y a eu Alix, mais Alix, c'est juste une préquelle entre le 2 et le 1. Donc ça compte oui, pas. Oui.
tu sais que en dématérialité. Moi je peux pas vendre. Ouais. Il était sorti le 16 novembre 2004. Ça va, il a encore un petit temps. On va déjà fêter les 20 ans de plus. Il faut que je récupère le cube d'abord. Oh la vache, cette trajectoire de Maboul. On est bien d'accord que... D'accord. Oh merde, ça passe en dessous. Il passe en dessous le salopard. Merde. Comme ça. Merde, encore. Oh, j'ai pas la notion des distances. Oh, mais c'est fou ça. Ah, c'était presque ça. Mais il faut pas que je descende dans la fosse. Faut que je le chope sans descendre dans la. Merci. Bah, du coup, j'ai cassé la figure. Vous savez ce qu'il y a en surnombre par ici ? Des moniteurs. Je me disais que c'était dommage d'en avoir tant en service, donc vous me rendez service en les détruisant. Ouais, tu m'étonnes. Mais attends, faut que je sois sûr de mon lancer. C'est impossible. Je suis obligé de descendre dans le truc. D'ailleurs, il faut reconnaître. Merde! C'était une mentalité de l'époque, ça aurait pas été fait pour aujourd'hui. Un bon truc contre les Valve, c'est que quand ils ont sorti Half-Life 2, en 2004, je suis au bout de. 4 ans, 10, 5 ans, et en 2007, le dernier. Et quand ils ont sorti la compile pour la PS3, vu que cette console est arrivée dans ces eaux-là 2006-2007, ils ont sorti directement les 3 opus en l'Orange Box, comme ça s'appelle. Et ça, c'est cool de leur part. Pas de faire, t'achètes Half-Life 2 le premier, après t'achètes le premier épisode, après le deuxième. Non, là, c'était directement la trilogie. Réunis avec le premier Portal, d'ailleurs, qui démarrait à peine. Plus qu'une partie 2, mais soit bon, c'est des anecdotes, mais c'était cool d'avoir les 3 épisodes directement compilés et pas les acheter individuellement. Ça, c'est vraiment sympa. D'accord, vous l'avez résolu. Mais peut-être qu'il y a différentes solutions à chaque fois et que vous choisissez toujours les pires. Non, non, c'était bien la solution. Ah, c'est quoi le problème ? Surprenant. Comment on pourrait dire que le premier, lui, il a été adapté sur PS2. C'est Twinsen qui te dit s'il y a du blanc, c'est que ce sera utile. Oui, les faces blanches pour me poser un portail, bien sûr. Ouais. C'est la logique, ouais. On gare à la suite. Oh là là, les turbines de fou. Vache. Il ne faut pas désespérer, non.
courage, fuyons. Je viens d'avoir un stimulus. Je vais vous enregistrer en train de résoudre ces tests et j'en regarderai 10 à la fois pour être plus productif. Et par voie de conséquence, il va falloir que vous les terminiez 10 fois plus vite. En tout cas, faites-moi signe avant de résoudre ce test, d'accord ? Histoire que j'évite de me spoiler la fin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une énorme secousse sismique, là. Il a fait percuter un truc, je sais pas. Mais comment c'est monté, ça ? C'est limite si le panneau va pas se décrocher et me tomber dans la tronche. Mais il est fou. Mais qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu. Attendez, je lisais le panneau d'introduction. Oui, c'est le numéro 11. Oui, je sais. De test. Truc d'énergie, cube réfracteur. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Il y a eu un petit écho le temps que je coupe mon micro pour pouvoir écouter les dialogues. Écho, écho. Oui, je crois que tu dois passer 11 tests ou un truc comme ça. Les 11 tests de la moelle. Ah, je teste des trucs débiles déjà. Le 11 réacteur, enfin, il y a un truc avec vous. Ce qu'on avait entendu la dernière fois. Ah mais on peut tomber dans le vide presque. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Mais comment... Oh, wow, ce truc de ma boule. Oh là 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 là. Je peux pas. Ah mais j'arrive pas assez vite. Ça va pas. Le chapi chapeau chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. C'est un scandale. Parce que là, il va me propulser. Ah. Ah, laser, énergie. Cube réfracteur. Rayon. Aïe, 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 aïe. Ah oui, il fait beau le laser, la vache. Message de Torota 77. Chapu, c'est un scandale, je l'ai dit. C'est du délire. C'est du... le rayon tracteur. Le rayon tracteur. Le rayon tracteur. Le cube est là-bas. Le cube est là-bas. Je pense pas que ça marche mon truc, mais je vais essayer. Non, non. Au moins on a une belle vue des trucs. Voilà, c'est débile ce que je vais me faire. C'est toujours marché. Non, mais me refous pas dedans. L'énergie doit être mise là. Oui, ça va venir, une scène, ça va venir, ne perds pas patience. D'ailleurs, je me laisse d'ailleurs attirer par le décor de fond. Quand tu me dis ça. Oh la vache, tout c'est bon. Ça, ça fait la passerelle là. Et ça, ça gère la passerelle. Oh mon Dieu. Donc, à un moment, il faudra que je mette le cube. Bon, à un moment, il y aura mon cube, le cube à ma place. La passerelle descendra, ouais, c'est logique. C'est logique, c'est pour se barrer, c'est logique, c'est en plusieurs temps.
Le cube doit être à ma place. Comment je récupère le cube qui est là-bas? Grande question. Ah, mon Counter Strike à toi, Torota. Non, je t'en prie. Oh, t'as bien raison, pour savoir se faire plaisir. Attends, je jugeote. Qu'est-ce que... Ah, il y a encore un truc qui a bougé, il va m'en foutre. C'est forcément le plan incliné. Mais comment? Il faudrait que je m'éjecte pour m'en foutre. Je pose la bombe en A. Oh mon dieu! Il pose la bombe en A. Doula doudi, doula doudi, doula douda. C'était pas mal le coup de dans une traction de ma boule. J'arrive plus à réfléchir. Oh mon dieu, comment je me suis expédié dans le décor. D'accord que ça se brille. Ah, attends. Ah, mais j'avais pas vu que je pouvais aller là, moi. Mais quel abruti je fais. J'avais même pas pris dans l'équation ça. Eh oui, c'est le truc réfracteur. Non, mais il est fou, lui. Il a déglingué des salles de test. Ouais, hauteur, angle. Ça va venir. Évidemment, je peux pas sauter et choper le truc. Ça se saurait. Oh la vache. Sauter. Le rayon tracteur m'enquiquine, en fait. Il faudrait que je puisse neutraliser le rayon tracteur. Ce qui voudrait dire que je devrais utiliser... Bah oui, non, la lentille. Mais... Est-ce que si je fais ça... Ça marche ou pas? Bah non, je suis cassé par le rayon tracteur, c'était sûr. Il faut que je désactive lui, mais comment? Il faut le cube en fait pour le faire suer. Le cube. Il faudrait que je parvienne à m'éjecter. Merde. Comment je peux créer un truc de synergie? Là, dans l'état actuel, je crois en fait.
Je peux pas jouer avec les passerelles là. Merde. Et j'ai qu'un cube, on est d'accord, j'ai pas un autre élément que je peux embarquer pour... Ouais non, c'est fermé. Quand je vais tilter, ça me semblait évidemment évident. Mais j'ai pas encore percuté. Attends, ne me dis pas qu'il faille. Mais non, mais ça y est, j'ai percuté. Ça y est. Il faut que je tombe de bien haut. Voilà. Ça y est. Faut pas désespérer. Ça finit par arriver. Ok. Alors attends. Je vais mettre l'orange là et je vais le barre là. Donc je vais pouvoir faire le saut en mettant l'orange là. Ah, Devil Alive qui fait du Bad Company Battlefield. Sacré Devil Alive. On y va. Là je vais récupérer le cube réfracteur. Ah, j'étais pas dans l'axe. C'est Heinz Gandal. Voilà. Je récupère ça pour y faire je sais pas comment d'ailleurs. C'est mal positionné. Voilà. On s'en fout du truc tracteur pour le moment. Il m'a déjà servi. Voilà. Moi, pour passer, ça va être chaud. Voilà. Donc, ça, c'est en bas. Ça, déjà, c'est le bouton. Le bouton. Il faut que je reste là, que je désactive le truc. Je monte. Mais après, il faut que lui, je lui dise. Ah, mais c'est bien sûr. Chaque chose a sa place. Me direz-vous. Hein? Hein? J'ai zoomé sur la bête. Alors, tout n'est que gestion de portail maintenant. Tout n'est que gestion de portail ou pas.
Mais si je fais ça, ça va pas marcher. Normalement, si mes calculs sont bons, voilà. Et vous venez de le résoudre, hein? Je vous avais dit de m'avertir avant de... Oh, pourquoi vous faites toujours tout de travers? Eh oh, si un de nous deux fait quelque chose de travers, c'est bien toi. Oh, tu parles mal? Non mais dis donc, je vais lui péter tous ses moniteurs, moi. Vilain. Ah oui, tu m'as dit que c'était un succès. Ah, ce mélange de flux, ça fait peur. Bah. Je décale le cube. C'est le bordel. Bon allez, je m'enfuis. Adieu. C'est embêtant. Vu comme ça. Oh mon Dieu, où allons-nous? Ton centre. Il est à plusieurs personnes, le centre. Allez, s'autodétruire. J'ai rectifié ça. J'ai programmé une dernière secousse, juste pour le plaisir. Une ou deux dernières secousses. Rigolo, non? Alerte, surchauffe du cœur, fusion. J'aurais pu le virer, je l'ai pas fait. Mais n'écoutez pas ce qu'il raconte, reprenez les tests. Quoi? J'ai jamais eu cet avertissement. Qu'est-ce que c'est que ce truc de mur à latte avec mort? Ah, c'est le mur là! D'accord. Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Mais oui, non mais tout part en ruine. Ta petite minette, j'avais oublié. De plus en plus pendant les lives. Non merde, il faut centrer le truc en plus. Là, il fait du bout tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? La vache, il y a une forme de laser. J'aime bien l'autre, il est en train de tout faire péter avec ses secousses, il est en train de faire chauffer le cœur du réacteur, mais il te dit allez-y, continuez les tests, c'est pas grave. Exactement, il est complètement ma boule. C'est quoi ça? J'ai pas compris ce que j'actionnais. Alors, j'ai éteint le mur de laser. Niveau de fidélité pour affaire Carac, niveau 45. Et Torota niveau 105. Non. Je rejoins le bouton là-bas. Le cube qui tombe dans le vide en plus. Attends, faut que je joue avec les passerelles. Le coup du laser, que je récupère le cube. Non mais c'est des malades. Il faut déjà que j'arrive à aller là-haut, appuyer sur le bouton. La bonne blague. Vas-y voir que je regarde. Waouh, c'est vertigineux, y a pas à dire. Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Oh,
Oh mon dieu. Il faut que je joue avec le jaune. Il faut que je joue avec le jaune. Attends. Parce que si j'arrête le truc, il revient en place. Ah non, il s'arrête. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Attends, je... Il faut absolument que je place mon rayon. Pardon. Wow. Alors, on va tenter quelque chose. On va tenter de pas crever. On va tenter de pas crever. Oh, les salopards! Vous êtes des monstres. Ouais, c'est la musique de la mort, là. Maintenant, voilà, les lasers. Hop là, il n'y a plus de laser. Merci. Oh la vache! Stop, 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 stop. Je peux rien faire de plus. Mais non, le truc se casse la figure. Ah, attends, quand je vais là, j'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton, je dois récupérer le... Oh là 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 là, il est fou. Il faut que j'aille en bas. Alors attendez, je remets... Merde, c'était où? Je vois plus. Non, c'était plus bas, c'était plus bas. C'était plus bas, il faut que je récupère le cube. Hop là. Là, le cube tombe sur la plateforme, j'espère. Il a l'air d'être dessus. Il a l'air d'être dessus. Il faut que je... Il faut que je retombe là. Je vais prendre de la hauteur, on peut le dire. Et hop là. C'est juste, mais ça passe. Bah c'est reparti pour un tour. La bonne blague. Mais qu'ils ont de l'humour en plus avec ça. Eh ben on n'est pas dans la merde. Excusez-moi. Ah, c'était à côté. Ça, alors ça c'est très très précieux. Ne pas perdre ce cube. Que je devrais lui envoyer dans la tronche d'ailleurs, comme il est très vilain. Attendez. Mon truc, il est... Il a, ah, oh, oulala, t'es qui là? Alors là, la phase finale du truc, je... Ah si, j'ai compris. C'est très con en fait. C'est très dangereux, mais c'est très con. Attends, viens avec moi, cube. Viens avec moi. Plus haut, peut-être. Merci. Alors. Oh la vache. Ah, merde. Non, 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 non et non. Plus malin, plus malin. Attendez. Soyons plus malins que ça. On y est presque, c'est pas loin. Oh non! Non, mais non, je peux pas faire de la réfraction en étant sur les plateformes. Le laser arrivera. Oh les salauds. Ah, je viens de comprendre. Oh non! Non, ne me dis pas que... Oh merde! Et il faut que le truc...
J'aurais dû laisser le tube en fait sur la plateforme. Oh! Parce que j'avais pas compris Twinsen. Voilà pourquoi j'ai fait cette erreur. J'avais pas anticipé toutes les étapes avant de me lancer. D'où mon erreur gravissime. Merde. Je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que je maîtrise le truc. On n'a pas dit comment. Oh mon dieu. Ah. Alors attends. Faut que la plateforme revienne. La plateforme revienne. Que tu reviennes, la plateforme de la muerte. Que tu reviennes. Oui, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Comme le bon pain, c'est pas perdu. Je ne sais plus, je suis Peldo. C'est pas Peldo. C'est pas Peldo. Alors, attention. Oh, on nous observe. C'est une salle d'observation. C'est scandaleux. Comme ça, je Doucement. Oh, j'ai chaud. Oh, que j'ai chaud. On va bien poser le cube. Voilà. Alors. Attends, il faut pas que je brise le laser, mais il faut que je passe. Oui, mais je peux avoir une casse momentanée. Hop là. Et je rétablis comme ça. Non, toujours rien. Oh, désolé pour l'ascenseur, il est hors service. Il a pardon fondé. Mais il est fou, lui. Ah oui. Mais qu'est-ce que... Mais il est barge. Oh non, faut aller dans l'autre salle par le rayon tracteur. Autant que je vous fasse la visite commentée. Sur votre gauche, des loupiottes. Je sais pas à quoi elles servent. Ouais. Scientifiques, quoi. Sur votre droite, des gens. Courez vite. Ça n'a rien à faire là, ce truc. Quoi? Ça va bien de votre côté? Attendez, je désactive le rayon. Non. Oh, pas bon ça. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Après ce qu'il a fait à mon centre, quand nous serons débarrassés de lui, vous permettez que je le tue? Je suis choqué. Mais il est fou. Il est fou. Oh. C'est quoi ce pupitre de commande? Oh là là. C'est toujours des mètres cubes. Ah oui, des mètres cubes par heure. Ça doit être la gestion des bassins d'acide. Je présume. Oh, un tac rayon électrique. Oh, mon dieu. Oh, les tags crayons électriques. Vous de Dieu. Ouais, c'est une salle de test qui dit pas son nom. Oh, faut aller là-haut, je crois. Hein? Oulala. Attends, faut que je descende là. Ah oui, referme le plafond. Il est tout fifou. Il est fou. Ah, vous êtes vivant. Super. Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui d'autre, hein? Voyons voir la sortie. Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test. Ok. Là, bing. Parfait. Allez-y. Quand vous m'avez dit de désactiver le rayon,
J'ai cru vous avoir perdu. J'ai cherché un autre sujet de test, mais ils sont toujours tous morts. Oh, par contre, j'ai trouvé quelque chose. Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux. Vous allez être sciés. Attends. Il y avait un automate indépendant qui s'est barré de la salle de test qui s'est déchiré en deux. Attends. Donc l'automate, il doit être là-dedans. Oui, on va peut-être pouvoir se rejoindre. Je ne désespère pas. Bon, alors attends. Moi, en ce qui me concerne. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce. Oh, du gel orange. Un rayon tracteur activé, d'accord. Qu'est-ce que. Oh mon dieu. Oh, il y a une histoire de portail à mettre comme ça. Et puis le cube tombe dedans. Qu'est-ce que. Ah, c'est la poubelle. Ah oui, c'est la poubelle. Tu refermes le plan incliné ou pas? Ben, tu m'iras, c'est une surface noire, donc je l'ai dans le baba. Mais... Ah, c'est beau. Je peux aller là-bas? Oui, visiblement. Je me barre! Attention! Tu m'as ouvert le champ des possibles! Bah, ça fait partie de l'équation! C'est la dite sortie. Bon, allez, je vais sortir les portes. Je vais péter les portails. Attends, on va se promener un peu. Oula, c'est accidentogène par ici. Alors, attends, j'ai une passerelle. J'ai un. Là, j'ai la mort. Voilà, je vous présente la mort. Les boules. Et là, je vais. C'est quoi là-haut? On dirait des comètes. Ouais, bizarre. Et la mort. Bon, bah, c'est pas très gentil tout ça. Oh là 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 là. En dessous, il y a quelque chose ou pas? Je me souviens plus. Non, il n'y a rien. Non. Si je vais là-dedans, je suis foutu. Alors attends, je vais remettre du blanc là. Ouais, allez. Je reviens. Ta 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 ta. Alors ça, c'est le rayon tracteur. C'est le rayon tracteur. Je fais des allers-retours avec ma minette là. Là, il y a plein de gens qui ont été déçus hein, ce jeudi 26. Pourquoi? Parce que pas mal de gens pensaient qu'il y aurait une annonce sur GTA 6, mais c'était pas le cas. Hein? Parce que une tradition veut que Rockstar, depuis 2-3 jeux, fasse ses annonces le dernier jeudi du mois d'octobre. Ça a été le cas pour GTA 4 et Red Dead Redemption 2, donc ils pensaient qu'ils allaient chez, surtout qu'en plus. Cette année marque les 10 ans de GTA V. Non. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y aura une annonce pour l'année 2024. Surtout qu'en plus, Krausenik, qui est le président d'Itektu, hein, Itektu qui est la Itektu, pardon, pas Itektu. Itektu qui est la société mère de Rockstar, on va dire, c'est leur leader. A dit leur président que l'année fiscale 2024-2025 promet beaucoup d'argent et une grosse annonce. Ah. C'est ce qu'il a dit à ses actionnaires. Donc, vous savez que ce sera génial. Mais arrête de barrer, toi! Bien fait pour ta tronche. Non. Tu bouges plus. Donc, beaucoup de gens ont été déçus. Ouais, bah oui, déception, oui, tu m'étonnes. Moi, je l'attends pas comme le Messie. Je sais que de toute façon, il va décevoir. Il y a tellement une hype de fou. Les gens s'imaginent, beau et merveille, qu'ils seront déçus. Après 10 ans d'attente, il y aura forcément beaucoup de déçus. D'ailleurs, dès qu'il va sortir, ne croyez pas que c'est le jeu que je vais vous faire sur la chaîne. Oulala, vous ferez 2-3 ans après, moi je ne serais pas pressé. Je n'aurais qu'à faire.
probable qu'à ce moment-là, je sois sur GTA 4 quand ils vont annoncer GTA 6. Et à ce moment-là, tu ne joues pas. Aïe, ta gueule, j'ai plus de retard. Et là, je platche. Oui, ça doit être ça. C'est trop drôle. Ça doit être ça. C'est trop drôle. Splatch. On commence. Avec le jeu de rang. Tu me demandes de voir le jeu de rang. Je peux pas. Je réfléchis d'une scène. J'essaie de pas me faire avoir avec la dernière étape qui manque. Parce que j'allais me vautrer là-bas sur la passerelle, mais je l'avais déjà atteinte tout à l'heure, mais sans les portails, il faut pas que je passe par là. J'ai compris que ça me nique les portails. Enfin, les portails, les portails. Ça y est, mon cerveau bug. Il faut que je garde les portails, mais pourquoi? Parce qu'il me faut un réel tracteur. Ah! YouTube, je prendrai ça et je vais sur ton YouTube. Aïe, merde, c'est un truc. Non, il râlera puisqu'il pourra le faire sur PS3. Il va bien. Quasiment à l'arrivée. Donc si mes calculs sont bons, je vais me propulser vers le... C'est parti! Ah, j'ai chaud. Vous allez adorer la surprise que je... On pourrait même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais... Oui, on a compris, merci. Il est parti par là, l'automate indépendant. Il est parti... Je vais peut-être retrouver l'automate indépendant qui était un des personnages qu'on incarnait quand on était en coop, tu, une scène et moi. Mais... Je crois bien, oui. On... Désolé, c'est ma faute. Ah! Quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il veut nous tuer. Continuez! Je m'en foutrais, moi, des continuer. Non, mais il est fou. Bon, attends, j'ai pas lu le test. Ça veut dire quoi, ça? Je fais du skateboard. Non, je fais pas du skate. Bon. Des petits ponts, des tourelles, des flux, tout ça, tout ça. Hop là, alors... Plus que trois salles avant la grande surprise. Ah,
part ce que dit. Il est ma boule. Coucou. Bon, les tourelles sont à faire gicler, je devine. Ouais. Me ferai pas avoir une scène, t'inquiète pas. Je serai plus fort. Je le table au mystère. Je serai... Oh vache. Ah ouais. Ah ouais, mais maintenant il se met à avoir des rires de méchant. À se demander si c'est pas lui le vrai méchant. Ouais, non, il y a une possibilité. Non, je suis pas méchant. Ils le remettent tellement qu'il est terrible. Je vais leur mettre un truc dans la tronche. Mais comment? C'est quoi ça? Ah bon? Comment ça? Ah! Inversion de sens. Si seulement je pouvais avoir un projectile. Mais comment? Aïe, j'avais oublié qu'elles avaient un angle de tir, les pots de vache. Là. Ça aurait été drôle. Mais non, c'était pensé. Je vais aller voir. Ah, il y a du bleu. Il y a du bleu ici. Eh oui, splish bleu. Oh non, c'est chronométré. Oh, les salopards. Je peux pas mettre de portail. La propriété du bleu, c'est je rebondis. Bleu, je rebondis. Mais pourquoi? Pourquoi voudrais-je rebondir? Ouais, ce serait trop simple, ouais, je sais. Le sage, je sais pas si tu te souviens quand tu avais fait I fly open and force. Ouais. Il y avait un moment avec le soldat Shepard où tu pouvais te téléporter dans diverses dimensions à travers des portails. Je sais même plus, oui. Que tu pouvais aller directement de Xen au laboratoire. Ben, je me demande si pour portail, ils se sont pas un peu inspirés de pour le jeu, quoi. Oui, très probablement, surtout que c'est la même boîte, alors oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Et il y a. C'est un Big Mac là-dessus entre pas. Mais oui. J'ai une idée. Mais non, ça peut pas marcher. J'aimerais balancer le fluide dans la tronche des tourelles. Mais non, ça marchera pas mon truc. Je peux pas. C'est certain, toi, quand tu le sais. Ah, merci. D'ailleurs, j'attends toujours que ce compteur de coups. Bah, c'est comme ça, petit bûcheux. Comme ce sera la nuit du genre d'Alfred. Le bûcher dedans. Thank you.
Je réfléchis. Oh, c'est fatigant. Attends, c'est moi ou il y a le feu là-bas? Mais il est fou! Il y a le feu là-bas. Ça doit être une chambre de combustion, c'est pas possible. C'est pas ce que je voulais obtenir. Ouais, faut essayer au cas où. Attends, là j'ai du mal à m'approprier la salle de test. Ça va venir. Ah, le bouton déclenche un truc. Non, je n'ai jamais le temps de l'atteindre. C'est pour ça qu'elles sont trois. C'est pour que j'ai une fréquence de tir, que je puisse pas atteindre la touche d'interrupteur. Sourire démoniaque. D'accord que si je vais là, c'est pareil, c'est la mort. Ouais, c'est la mort. C'est pas une plateforme de... Ok. Comment je peux faire? Oh, c'est fatigant. Je peux pas aller à l'encontre du... T'es bien d'accord? Non, ne cherche pas, s'il te plaît, une scène. Ne cherche pas à m'expliquer le... Je finirai bien par y arriver, ne désespère pas. Ça, c'est la récompense ultime, c'est le panneau qui mène le rayon tracteur jusqu'à l'arrivée là-bas. Donc, il faudrait que j'appuie sur le bouton là. Mais il faudrait que je me débarrasse des tourelles avant. Mais c'est les deux temps entre le rayon tracteur et le fluide. J'arrive à gérer le...
Comment c'est possible? Est-ce que la logique pourrait que je me barre là-dedans? Arrête la cigarette. Tu crois que je pourrais sauter dans la... Ouais mais non, de toute façon, les surfaces, je suis mort. Non, ça peut pas être ça. C'est une fois qu'on est là, comment je peux revenir? C'est ça qui est important. Ça, mais... Ah bah non, ça va mettre dans le tracteur que je suis con. Mais oui, forcément. Forcément, je viens de créer mon truc de voyage, c'est bien. Je peux aller d'un côté et de l'autre du Schmilblick. Ok. Ok. Je cogite, ne désespérez pas, ça va me revenir. Ouais, pour le moment, ouais. Ouais, c'est bateau, je te fais pas dire. Merde, il m'a foutu dans le... Je pourrais arroser ça, mais si je saute là avec du... Non, j'ai aucun intérêt à faire ça. J'ai aucun intérêt à faire ça. Pourquoi j'ai accès au gel? J'ai accès au gel pour me barrer de là. Ça voudrait dire que je dois transporter du gel ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai... Ne me dis pas que c'est à quoi je pense. Thank you.
théorie est pas valable. Ma théorie est pas valable. Encore que je l'ai fait peut-être un peu trop centré. Parce que si je le décale là... Si je le décale là, mon truc, on va... ça passe à côté. Oh, j'en ai que trop peu. Je sais pas si j'aurais bien appliqué le truc. Ça va venir avec moi. Je suis avec le fluide. C'est psychédélique cette vue. C'est psychédélique. Non, non, ma théorie était pas valable. Ouais, le grillage au sol est terrible. Non, je pensais lorgner un peu le bleu là, et le bleu sauter par-dessus le truc pour tout de suite appuyer sur le bouton et guaquer les tourelles, mais non, non, non. Non, c'est débile mon raisonnement, j'aurais été abattu dans le dos. Ouais, non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. D'accord qu'il me manque pas un élément de résolution du puzzle. J'ai toutes les cartes en main. Oh la vache, comment il faut la jouer serrée. Exact. Exact, une scène. Ouais, j'ai les pièces du puzzle, mais je sais pas comment, dans quel ordre et dans quel sens les imbriquer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il faut pas aller par les dessus par hasard. Attends, j'ai un doute. Je ne pas aller au-dessus. Attends. Attends. Non. Ah merde, les tourelles, j'avais oublié. Ah merde, elles m'ont buté. Oh le con. Ah, quel idiot je fais. Oh, c'est fatigant. Cette IA est fort. Cette IA est complètement ma boule. Ma boule. Bon, ça c'est pour moi. Merci. J'en mettrai un petit peu d'ailleurs. Oh, j'ai mal senti le truc. Ouais, non, voilà. Voilà, merci. Mm-hmm.
Je viens de percuter un truc. Attendez. Mon cerveau vient de burp. Attendez. Avec cette histoire d'inversion de... Ah bah non, je peux pas... Ah merde, je me suis éjecté dans le vide, con. Mais vu que c'est le canard enchaîné, je pense que c'est la merde de Paris a une
Hidalgo, puisqu'on a parlé d'elle en live. Il a tenté à Tahiti jusqu'à la mi-novembre pour inspecter les infrastructures de l'épreuve de surf des JO 2024. Elle a enfin. Et madame, prendre des vacances. Surtout que je croyais que toutes les épreuves aquatiques pour les JO 2024, il les ferait à Marseille. Ah, c'est plutôt cool qu'il y a les JO. Je suis content, hein, parce que ça fait 100 ans qu'il n'y avait plus de JO dans la capitale, et même en France. C'est plutôt bien. Bon, après, il y en a qui disent que c'est pas bien pour l'environnement. Laissez-nous profiter du sport. Il n'y en a qu'un tous les 4 ans. Bon, après, comme je l'ai toujours dit, hein, les JO, c'est truqué. Moi, je peux déjà vous dire que ce sera ou les États-Unis ou la Russie si elle y participe, mais elle devrait être interdite. Donc, ça devrait se jouer entre les États-Unis et la Chine à la première place. Parce que, de toute façon, moi, ce qui m'a toujours énervé dans les JO, c'est que tu peux pas mettre tous les athlètes dans toutes les épreuves. Et donc, automatiquement, ben, ceux qui peuvent pas participer à des épreuves, admettons, de cyclisme par exemple, tant qu'ils peuvent, donc ça leur lève les chances de médaille. Moi, ça m'a tout embêté. Je ne vois pas où est les fair-play dans les JO. C'est comme faire une course de bagnole, on voit. Et que tu fais les 24 heures du Mans, mais que tu dis qu'il y en a qui ont le droit de changer 4 fois de voiture et d'autres ils ont le droit qu'une seule bagnole. C'est pas simple. Moi j'ai jamais aimé les JO à cause de ça, parce que la France, comme elle ne peut pas mettre tous les athlètes, il y a des pays qui peuvent pas mettre les athlètes. Pour moi, c'est pas. En France, on est obligé de valoriser l'espoir individuel et pas l'espoir collectif, puisque on sait que on ne peut pas y arriver, il y a des épreuves, on n'a automatiquement aucune médaille d'or. Donc moi, je vois pas l'intérêt. Ça devrait être tout le monde sur le même pied d'égalité ou personne, quoi. Attends, mon cerveau vient de s'allumer. Attends. C'est l'horaire du tableau mystère. C'est pas grave, je suis en pleine réflexion. Pardon. Voilà, je les ai plouffés. Ah, oh, les vilaines. Mon arrivée est là-bas. Right.
les étages, là. C'est la fin. C'est que j'avance, c'est chaud et ça marche. Oh merde. Ah non. Ah, je suis mort bêtement. Dommage. Ouais, il va me remettre à son fou rire. J'ai tout à refaire. Peut-être une poste à vous mystère. Non. Il m'a... Oh, patiente encore un peu, te plaît, Fun. Je suis peut-être à résoudre le truc. Mon cerveau est en plein dedans. C'est pas grave si on est décalé d'une demi-heure, une heure sur le tableau mystère. C'est une heure effective d'organisation. Il n'y a pas mort d'homme, t'en fais pas. Tu vas survivre, Fun. De la vitesse en plus. Bah oui, non, là je suis dans le vide comme un con. Mais non, j'ai pas assez d'élan. Ah! Mais oui, mais c'est bien sûr! Le plan incliné dans toute son œuvre. Le plan incliné dans toute son œuvre. Non, attends. Mais il faut que j'arrive avec une vitesse de ma boule. Il faudrait que je me laisse chuter avec une vitesse de ma boule, mais comment? Ça, c'est ridicule. Eh oui, forcément. Forcément, là, je suis au-dessus du vide. De la sortie. Oui, donc là il y a un saut de puce à faire, mais comment j'arrive à fond dans le dans là-dedans? Ce serait là-haut? Sérieux? Attends. Ouais, mais le problème c'est que... Vache. Ouais. Je crois qu'il me l'a accordé. Si je fais ça... Merde! Oh, je me tape la tuyauterie à la con. Oh, les chances de tuyauterie. Mmh.
Merde, j'ai pas assez de bleu. J'ai pas mis assez de bleu dans le... Oh. J'avais même pu renverser le bleu comme je veux. Encore un peu. Ouais. Avec un peu de chance. Voilà. Le bleu est là. Merde. Je me décale de quelques centimètres. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ah oui, mais tout ne marche pas. Oui, souviens-toi des salles d'avant, souviens-toi des salles d'avant, souviens-toi des salles d'avant. Souviens-toi des salles d'avant. Puis j'ai pas fait usage de ça. Ah bah si, je suis con pour gérer le gel. Mais si, ça m'a déjà servi. Souviens-toi des salles d'avant, souviens-toi des salles d'avant. Souviens-toi des salles d'avant. Je suis commande. Je vois rien sur les côtés par hasard, on sait jamais. Ouais, non, tout est noir là-bas. Les salles d'avant, qu'est-ce que j'ai fait dans les salles d'avant? Les salles d'avant, il y avait Luffy d'orange, il a déchiré la salle. Rayon tracteur, pente, cube. 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 Aller là, je vais aller plus haut, dans les interstices de l'interdit. Au tableau mystère quand on aura fait la découverte de la future salle de Maboule qui m'attend pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Je parie que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Plus que deux salles, et vous serez fixés. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense pouvoir nous faire accéder à la salle suivante. Suivez-moi, si j'ose dire. Ouh la vache, ça va être complexe. Ouh, c'est grand! Un cube m'a été donné.
Surprise ! C'est le grand moment ! Pardon ? Je suis forcé d'avouer que pour un petit imbécile conçu spécifiquement pour générer des idées ineptes, ce piège était plutôt bien pensé. Vous vous en doutez sûrement, mais je n'ai plus besoin de vous. J'ai trouvé deux petits robots en réserve conçus spécialement pour faire des tests. Le moment est venu de vous tuer. Je viens d'avoir un stimulus. J'étais là, en train de comprimer de l'acier, et je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour que ça soit vraiment mortel? Plein de trucs pointus partout. Voilà ce qui manquait. C'est encore provisoire, hein. À terme, j'aimerais bien que ça vous brûle. Non, ne faites pas ça. Ah oui, si, pas. Bien sûr. Allez. Ouh. Oh la vache, mais taré. Wow, non, c'est pas écoutez, passé loin. Revenez quoi, allez. Ah ouais, bon, c'est... Vous savez quoi, j'ai décidé de pas vous tuer, à condition que vous reveniez. Il va m'éliminer, je le sais. Quand je repense au bon vieux temps où on était amis, vous vous souvenez, j'aurais dit, revenez. Et vous auriez fait, ouais, pas de soucis, et vous seriez revenu. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah! J'avais pas vu que ça continuait pas. Non, faut que je chute. Attends. Je me propulse là-bas. Comme ça. Je remarque que vous ne revenez pas. Ce qui est un petit peu dommage. Oh! J'ai une idée! Ah! Laisse, mange-toi ça, tu l'as! Bon, que les jeux commencent. Non, mais ils sont tarés, au secours. Là, par contre, j'ai un doute. Oh mon dieu. On verra ça la semaine prochaine. Je vais sauvegarder là, ça me rend tout fou. Ça me rend tout fou. Oh, allez, on se regarde une vidéo de Portal. J'ai pas tout consommé, je crois. On en était où? GLaDOS s'éveille, je sais plus si je l'avais vu. Allez, on se le mate, si on se le remet. It's been a long time. How have you been? Differences behind us for science, you monster. Je crois qu'on l'avait vu, mais c'est pas grave, c'est rigolo de le revoir une deuxième fois. Et les autres, on les fera les autres fois. Bah. Bon, je vais vous mettre le tableau mystère. Je vais aller aux toilettes. J'ai la vessie qui me pèse. Tac.